l'élu qui sera au conseil départemental doit rester un élu de proximité. C'est pour ça que nous, on travaillera de toute façon par la suite, nous quatre, hein, puisqu'on a une répartition, Jean, et dans, on voit bien quand de Saint-Gervais à ici, pour aller à Montpellier, il y a quand même 2 heures de route facile, et sans compter l'hiver, le verglas et la neige. Donc il faut qu'on arrive à travailler ensemble sur des projets de territoire. Voilà, donc c'est ce que je voulais dire tout simplement, c'est que les élus, en tout cas, nous, ce qui nous importe, c'est qu'il ne faut pas toucher au budget de la solidarité, parce qu'on veut absolument conserver les aides sociales, et en plus, il faudra les augmenter, ces aides sociales, et on en a conscience par rapport à, à la pauvreté du département, au taux de chômage du département. On est quand même le département, le deuxième département le plus pauvre de France, après les Pyrénées-Orientales. Le Bédarieux a été classé parmi les villes les plus pauvres de France, et donc et au niveau des revenus. Et là, il faut absolument donner des outils pour que les gens puissent avoir des activités. Je suis dans le groupe qui a organisé le forum social, les forums sociaux. Et là, on a des jeunes qui ont essayé de monter des activités par eux-mêmes. Mais le problème, c'est que en fait, la collectivité ne leur donne pas les outils, les moyens pour faire ça. Bon, des terres agricoles, par exemple, on a beaucoup de terres agricoles qui sont en jachère. Il n'y a pas de plan très correct d'urbanisme. Il y a beaucoup de zones agricoles où on a la possibilité de mettre des zones commerciales. Ces terrains sont à l'abandon. Et à côté de ça, on a plein de gens qui veulent vivre de l'agriculture, par exemple. Là, je prends l'agriculture. Et qui ne trouvent pas de quoi travailler. Ensuite, sur la production locale, donc, les cantines sont tous les produits sont importés, donc ça vient de Montpellier, et Montpellier s'approvisionne, je ne sais pas où, sur l'Espagne ou autre. Et donc, ça ne crée pas, on n'arrive pas à créer de l'activité sur cette zone-là, quoi. Et ça, la collectivité est très responsable, puisqu'elle laisse faire des zones commerciales sur des zones agricoles, ou elle laisse supposer qu'on pourra en faire. Je pense que la collectivité, le conseil départemental, peut aider les citoyens à monter des projets collectifs. En Allemagne, 50% de la production d'énergie renouvelable vient de groupements de citoyens ou de particuliers. Et parce qu'ils sont accompagnés par la collectivité pour monter ces projets. Chez nous, le département, pour l'instant, n'a jamais aidé un regroupement de citoyens pour faire des choses comme ça, plutôt les a plutôt entravés. C'est-à-dire inciter les communes, si vous voulez, ce que le département pourrait inciter les communes pour revenir au retour en régie municipale de l'eau. Je rebondis sur la régie municipale par rapport à l'eau. Donc, c'est ce qu'il y a à Poland depuis pas mal d'années. Et c'est vrai qu'on se retrouve avec un coût au mètre cube qui est l'un des moins chers du secteur, du bassin. On a une totale maîtrise après de notre ressource. Il y a des aides. Et puis le personnel municipal est formé. En mairie, il y a quelqu'un qui s'occupe des factures, des dossiers. Et c'est vrai que c'est vraiment quelque chose de très, très positif pour la commune. Voilà, de pouvoir être autonome à ce niveau et de ne pas dépendre d'une boîte qui va faire du profit, encore une fois, sur le dos des administrés, sur le dos des contribuables, les gens qui payent. Voilà. D'autre part, il y a eu la déviation à Bédarieux qui coûte très cher aussi au département. Tu parlais tout à l'heure de l'énergie. Les entreprises qui viennent ici installer des éoliennes géantes ou raser les forêts entières pour implanter des parcs photovoltaïques, ils s'en foutent de l'énergie, ils s'en foutent du CO2, etc. Ce qui les intéresse, c'est de mettre de l'argent dans la poche de leurs actionnaires. Et c'est donc dans ces domaines-là qu'il faut que le peuple reprenne la main, les citoyens reprennent la main, avec l'aide des collectivités, bien entendu, parce que les citoyens, pour s'organiser, etc., c'est toujours un petit peu difficile. Mais il me semble qu'un conseil général qui se respecte se doit d'aider les citoyens à prendre un peu la maîtrise de tout ça. On peut justement donner une impulsion pour créer ce genre de projets qui ne sont pas
forcément onéreux d'ailleurs. Et par ailleurs, c'est pareil pour le. On s'est dit comment relier ces quatre cantons, enfin ces quatre anciens cantons, entre l'Orbe et l'Hérault. Pourquoi ne pas pour relancer un peu une activité à la fois touristique et puis en même temps économique, avec des retombées économiques sur le territoire. Pourquoi ne pas, on en avait parlé ensemble, hein, du géoparc, c'est-à-dire l'implantation d'un géoparc, c'est quelque chose qui peut amener une richesse au niveau à la fois eh bien, de écologique, au niveau, amener en tout cas quelque chose d'important sur un territoire avec de grandes retombées. Alors, c'est un projet de grande ampleur, mais qui ne coûterait pas forcément cher au département, voire rien, puisque c'est un financement UNESCO, puisque les géoparcs sont reliés au niveau, eh bien, au niveau mondial. En France, il y en a que, je crois qu'il y a un cinquième géoparc qui a été créé dernièrement, si je ne m'abuse. Donc il n'y en a que cinq. Et c'est vrai que sur ce territoire qui s'y prête, on pourrait être justement impulsé une dynamique avec des projets de ce genre.